Avenir pour me détruire. Les Toyuba n'est pas à construire. Mila paix toujours mon aîné n'a pas trouvé. Peuple au banéni à Zangi à Koui. Papier, comment vivre en avion à Koui? Faut pas s'amour qu'à toi, chômage et mati. Balobet, osez la change, mais pas fati. Le monde, tu peux encore baka qu'on trahir. Bah, ma tia, mou, quoi, et moi, qu'on s'habite tout mal à est. Les mots, toi, la canne, n'est pas pour tout là, et poste, et moi, qu'on botte, qu'à plaire, qu'on l'a mis sous gars. On m'en est canne, vite, à terminer, les babas, t'as mis, n'a, c'est ma barouane. Pour vos enrichesses, à qu'on m'en bat, qu'on m'a corrigné. Qu'on m'en l'est, qu'elle est main. Pour un mot, canon, sauter les métiers, nana, cause, voilà, y'a mon canon. N'a est, y'a combien des années, ma, qu'il est tangi, droit de l'homme. Pourquoi, bis, auto, subi, génocide. 21 000 $, n'a pas les mains, zola, la pongi. Pendant que, ben, des qu'on a bis, soba, commis. Sans abri. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2024. Très heureux encore une fois de plus, ravi encore de vous revoir et d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir accueilli dans vos salons, sur vos téléphones, sur vos téléviseurs, sur vos tablettes. Je suis content ici en Afrique du Sud où nous émettons. Nous sommes à 2 degrés, donc la température elle continue à chuter, continue à faire froid ici. En tout cas, après un petit moment où nous étions presque absents dans réflexion, bien sûr, nous faisions autre chose. Vous êtes au courant, mais aujourd'hui, nous allons renouer avec notre tranche réflexion et nous allons réfléchir sur l'actualité. L'actualité, c'est-à-dire que la venue d'abord du président de la République ici en Afrique du Sud et puis son retour à Lubumbashi où il a inauguré un train qui va être servi par le service national. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de très bien, mais nous allons essayer un peu de voir les quicks et les quacks. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans cette continuité? La continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement et nous continuons à dire ça tous les jours. Que pourquoi est-ce qu'on reproche aux gens qui se trouvent à côté du Félix Tshisekedi, on leur donne toutes les fautes du monde possible? N'avons-nous pas la capacité de réfléchir pour sortir notre pays de ce marasme dans lequel nous sommes? J'espère que vous aviez suivi aussi l'interview de Kagame. C'est sur le problème de l'Est. Là, nous allons brosser un petit moment pour nous expliquer. Et enfin, nous allons terminer par ce que nous continuons à croire qui pourra nous sauver, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Quels sont les schémas que nous devons prendre? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions arriver à rétrocéder finalement, à appliquer ce qui a été dit dans la Constitution de 2001 ici à San City? Comment est-ce que nous pouvons le rendre une réalité? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Nous allons vous donner notre point de vue et le schéma par lequel nous pensons qu'il est grand temps à ce que Félix Tshisekedi retrousse le manche et commence à travailler. Mais il va travailler comment? Avec un entourage, comme nous allons le développer ici, qui ne voit pas aucun changement dans ce que nous sommes en train de faire
il faudrait qu'il continue sur ses lancers de front. À qui ça profite? Cette situation profite à qui? Ça profite aux étrangers, ça profite aux Congolais que nous sommes. À qui vraiment ça profite cette situation? Ça, c'est ça, quelques sujets qui vont nous réunir ce soir pour relancer notre rubrique « Réflexion ». Souffrez que pendant les quelques jours qui vont venir, que nous serons très inconstants à cause justement de ce que nous sommes en train de préparer. Nous devrions en principe le lancer au mois de juin, ici comme je vous avais dit, mais ça n'a pas été possible à cause des aléas, de beaucoup de choses, surtout la finance. C'est pour cela que je vous demanderai, vous qui me suivez et qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que nous avons besoin de vos abonnements pour que nous puissions améliorer un peu le nombre de views et le nombre des abonnés de notre chaîne. Voilà un peu, mes chers amis, comme d'habitude, nous allons essayer un peu de prendre les grands titres des journaux qui apparaissent ce matin sur Internet et nous allons revenir justement après la lecture de ces grands journaux et des titres de ces grands journaux. Donc on se retrouve tout de suite. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC justice, la rigueur, la transparence et la justice exigées dans le recrutement. Sud Kivu, hôpital général de référence de Bukavu doté du nouveau kit médicaux par la MONUSCO. Actualité toujours pour Kagame, je n'ai jamais mis des conditions avant de rencontrer Félix Tshisekedi. On va aller sur actualité.cd. Ici, nous avons quel problème? Acquisition de locomotives et wagons, le service national va verser 25% des droits de passage à la SNCC. Journée mondiale des réfugiés, appel à un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de Denis Sassou Nguesso pour rétablir la paix dans la région. Caricature, le porte-parole de l'opposition Ensemble et LGD d'un côté et SID et Envol de l'autre. Congo profond, Paul Kagame, président du Rwanda, nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RDC. L'hôpital Mabanga totalement opérationnel, des malades drépanocytaires réconforté par Denise Nyakero Tshisekedi. Depuis champion de l'ONU contre la violence sexuelle liée au conflit, Denise Nyakero Tshisekedi rend visite à Fonareva. 7 sur 7, Assemblée nationale, le bureau Kamere a abattu un travail de 3 mois en 15 jours. À Pretoria, après Félix Tshisekedi à Lubumbashi pour le lancement du service national, du train du service national. Et puis, gestion des finances publiques, Gilles Alinguette échange avec les gouverneurs du Congo central et de la Tchopo. Enfin, Envol ne s'inscrit pas dans les initiatives qui concourent à désigner le porte-parole de l'opposition face à un pouvoir issu d'un braquage électoral. On va terminer par Radio Okapi. Bukavu, la MONUSCO dote de l'hôpital général de référence des kits médicaux. Ituri, au moins 534 PW risquent d'être privés des soins des fautes de médicaments à Rimba. Lubumbashi, Félix Tshisekedi lance le train du service national à acheminer les équipements et à évacuer les récoltes. La Cour de cassation instruit les cours d'appel de réprimer les actes de déviation à caractère sexuel. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, voilà les titres. L'actualité est prédominée par la présence de Tshisekedi. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, je crois qu'il doit déjà être rentré à Kinshasa parce que selon les justifications qui nous ont été données à l'ambassade, pourquoi il n'est pas arrivé voir ou rencontrer la communauté des Congolais qui vivent en Afrique du Sud,
c'est parce qu'il y avait urgence au pays. C'est pour cela qu'il est venu justement le mercredi, le mardi matin, soir, et puis il est reparti pratiquement le mercredi pour que le jeudi il puisse aller à Lubumbashi, là où il a inauguré le train qui fait jaser, bien sûr. Beaucoup de gens comparent maintenant à ce train-là avec ce que le président Macky Sall avait laissé au Sénégal. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous devons toujours rester dehors, que disons en arrière comme ça. Nous sommes pratiquement en arrière de tout ce qui est en train de se faire dans le monde. Est-ce que c'est vraiment, nous méritons ce genre de train? Est-ce que combien? Bon, moi, c'est ce qui, si je vais essayer un peu de donner mon point de vue. Je ne veux pas aller dans le sens négatif des gens qui disent que non, bon voilà, ça ne devrait pas être comme ça. Le train, il y a les gens, beaucoup de pays ont déjà modernisé ce genre de train. Comment est-ce qu'on peut prendre un des wagons de vieilles histoires qui ont été déjà faites, je ne sais pas là où on les a achetés, et on les a mis dans le but. On fait, au fait, c'est un second main. C'est vraiment, ce n'est pas du neuf. N'avons-nous pas l'argent pour acheter du neuf? Moi, je crois que c'est là où aussi la volonté et la bonne volonté des Congolais existent. Tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Il y a des coopérations, il y a des soupçons. Longtemps après, mais de toutes les façons, avec le service national, M. Kasongo Kabwiki, nous pensons que il est quand même un oiseau rare. C'est quelqu'un qui se distingue. Par contre, on n'a jamais entendu parler de... Bon, bien que c'est une gestion pratiquement, je ne sais pas comment c'est géré, mais on n'a jamais entendu certains des détournements là-bas. Et c'est là où moi je disais que s'il faut en parler avec le service national, il y a beaucoup à dire. Bien sûr, ils ont inauguré ce train-là. Vous aviez entendu, moi je crois que ces têtes de train-là venaient de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a quelques temps avant, il y avait des éléments du service national qui sont venus ici en Afrique du Sud pour être traînés, pour entraîner à conduire ces trains-là. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a renouvelé pratiquement les têtes des trains. Ce n'est plus de ces vieilles histoires là-bas. Je crois que ce sont ces histoires-là qui ont été acheminées à Lubumbashi. Et pour... bon, alors, donc, nous sommes, comment on dit, tosa poubelle. Lorsque les gens n'utilisent pas d'autres choses, on ne les lance. Ce n'est pas mauvais. Dans la mesure où ça va peut-être continuer à aider. Mais c'est mauvais comment? Parce que nous utilisons ce que les autres ont utilisé. Ces histoires-là, je ne sais pas s'ils ont 15, ils auront encore 15 ans. Je ne sais pas. Même 5 ans, ça sera beaucoup. Avec la situation que nous avons au Congo, moi, je ne sais pas. Mais le président est arrivé là-bas en pompe, il a inauguré. Et moi, je dis que félicitations, parce que c'est quand même un acquis. C'est quelque chose. Mais derrière ça, ne pouvons-nous pas faire mieux? Justement, le mal, c'est que nous sommes en retard. Et nous devons investir pour longtemps dans notre pays. Parce que beaucoup de pays investissent pour 50 ans, pour même au maximum, disons au minimum pour 50 ans. Si nous allons prendre un train, nous devons en principe nous assurer que ce train-là pourra absolument... durée ne fût-ce qu'avoir une durée de 50 ans. C'est ça. Donc, mais si nous ne faisons pas ça, c'est-à-dire que nous nous mettons toujours en danger en allant prendre des histoires de bric-à-brac et tout ça. Ça peut nous aider pendant 2 ans. Ça peut nous aider pendant 3 ans, 4 ans. Mais est-ce cela que nous voulons vraiment? Est-ce cela que le pays a besoin? Le pays a besoin d'investir. Nous devons asseoir une administration, nous devons asseoir des choses qui vont durer pour longtemps, afin que lorsque les gens viendront, qu'on ne puisse pas refaire les choses, donc tous les 2 ans, on va renouveler tous les 2 ans. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. Cette option-là, vraiment, nous ne tenons pas compte de ça en République démocratique du Congo. On va nous acheter des avions peut-être de 1950, tout ça, on le fait voler dans nos ciels, pour des histoires éphémères. Pourquoi ne nous engageons-nous pas dans des avions neufs? Qu'est-ce qui nous manque? C'est ça justement les questions que nous nous posons. Voilà un peu ce que j'avais à dire à tous ceux qui voulaient ma réponse sur
l'histoire là du service national qui s'est passé hier à Lubumbashi avec le président de la République. Et là, nous entrons dans le sujet où nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe maintenant tout autour du président de la République? Parce qu'on a beaucoup à reprocher que non, le casting est mauvais, le président de la République s'est choisi des collaborateurs qui ne sont pas animés de bonne foi. Est-ce que, moi, la question que je me pose, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il une vision, une conviction personnelle dans la direction de notre pays? C'est ça le problème. Parce que si on a une conviction personnelle, si on a lutté pendant je ne sais pas combien d'années à rêver d'un pays, à rêver d'un pays démocratique, on devrait en principe se préparer sur le chemin de résoudre certains problèmes primaires, à voir comment est-ce que nous allons y arriver. Et c'est là où moi je me dis, peut-être que c'est là où il y a un hic. Est-ce que le problème ne vient pas de lui-même? Parce que nous avons comme l'impression, aujourd'hui le président peut recevoir quelqu'un et le monsieur lui parle, il adopte ça, il dit que c'est ça, c'est pour peut-être ça qui est la solution. Demain, il reçoit quelqu'un d'autre qui est en contradiction avec celui qu'il a reçu hier et il ne sait plus finalement là où il va aller. Le fait de changer de directeur de cabinet, ça montre une certaine inconstance au sein même du président de la République. Vous allez changer de collaborateur, tantôt c'est celui-ci, tantôt c'est celui-là. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, vous ne savez pas finalement ce que vous voulez. Moi, je pense que le président de la République, comme on dit que ça devrait être, l'UDPS devrait être le soubassement, parce que c'est là où, en principe, l'idéologie la vision devrait venir. Cette vision de l'UDPS devrait être déjà examiné, il fallait l'ambama déjà à côté à l'UDPS Kuna, ba cadre base à la constituer, comme ça il se prépare. C'est comme cela que moi je dis même à tous ceux qui ont des partis politiques. Ils doivent se préparer d'une façon méticulée à savoir ce qu'ils feront demain. Ba kosa la nini lobby. Comment est-ce que nous allons redresser ce pays? Et ça, cela demande d'une étude approfondie de votre pays. Nous ne pouvons pas nous lever aujourd'hui. Mbalamoko tokani si ke soki to sali bosse to sali ba marche nde to kobongisa mboka oyo toza komiko sabande konangai. Et là nous partons perdant. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas ce que nous faisons. Yangwana, même les solutions des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, nous n'en avons pas. Tous en a solution T présentement. On peut se dire que qu'est-ce que nous faisons? Et cela tourne tout autour na modèle au Tosana Ngolelo. Dans la configuration actuelle de notre pays, il est impossible à ce que nous développions avec les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le Congo. Nous devons connaître notre pays, nous devons connaître notre peuple, nous devons connaître la faiblesse Nabiso Ezali Wapi. Nous devons nous connaître pour que nous puissions connaître, valoriser notre pays. Tokoiko Zalanaba, matière première comme nous avons aujourd'hui, nous avons tout notre pays est béni, mais nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Et c'est comme ça que j'ai dit. Et cela devrait commencer où? La configuration actuelle de ce pays. Ça devrait venir d'un homme. C'est comme cela que j'ai dit. Les gens qui disent que non, il nous faut un dictateur. Non, il nous faut une équipe forte tout autour de ce monsieur-là qu'on va accompagner. Nous ne pouvons pas accompagner Tshisekedi dans son erreur, dans ses chimeries. Félix Tshisekedi est en train de rêver. Il ne sait pas. Quelqu'un va venir, il lui dit, bon, toi, comme tu as été directeur de cabinet, allez là-bas. Non, donc, inconstance, moko eza tout autour du président de la République. C'est ce qui fait que makambunyoso oto kobanda kosala et koko makana sukate. Nous n'atteindrons jamais la finalité de la chose. Quelle est la finalité de la chose? Vous allez voir, Félix Tshisekedi va passer 10 ans à la tête de notre pays. Et nous avons encore le problème à Fulu, Nakati, à Kinshasa.
Notre ville capitale, elle est encore sale. Nous avons encore des guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko, na réflexion a on a évité kakozwa kaba exemple à ba pays mususu parce que ça suscite beaucoup de discussions ba mususu ba koloba. Oh non, kuna ba sala ki bo. Non, pourquoi je dis ça? Parce que mboka na mboka ezalaka na culture nango. Les gens qui se sont développés, les gens qui semblent avoir une certaine paix aujourd'hui, ce sont des pays qui savent là où ils sont en train de partir. Na banzi ke binonyo sotu bolanda kanga awa nous sommes ici en Afrique du Sud. Tout la tomona ki makambu nenge vote salemi en Afrique du Sud. Quand nous nous comparons à notre pays bande konga na zolo belango parce que nga na zali awa. Je veux que vous aviez vu mes vidéos. J'ai circulé dans le centre. J'ai vu comment ça se faisait ici. Est-ce que les autres ont une discussion? Nous avons vu les gens qui ont été vaincus, qui acceptent que non, effectivement, on nous a reproché de ceci et de ceci et de cela. C'est à peine aujourd'hui que Batoua Union Sacrée, comme on dit que non, Félix Azana erreur. C'est à peine. Mais et là, qu'on y nous a différencié, c'est parce qu'effectivement, nous avons une certaine autre conception de la gestion du pays. Nous avons une certaine conception que non, l'homme qui viendra, c'est celui-là qui aura la solution, qui possède la solution. Mais malheureusement, Batu o bazako zala na tete ya mboka na biso, ce ne sont pas eux qui ont des solutions. Ils n'ont jamais d'abord travaillé, la plus bon, excepté ceux qui ont été à l'indépendance. Mais beaucoup d'entre de ces dirigeants qui arrivent à notre pays, à la tête de notre pays, déjà dans le passé, lorsque nous regardons l'histoire, beaucoup d'entre eux n'ont pas d'expérience. Regardez comment est-ce que nous avons eu de l'indépendance et que nous avons créé des partis politiques. Donc nous avions copié-collé sans toutefois étudier l'harmonie, comment est-ce que le Congo on vivait ici au Congo. Nous n'avons pas étudié le peuple congolais. Illusionné de nous-mêmes. Bandekoza Mawa, c'est vraiment difficile pour que nous puissions dire aujourd'hui que non. Félix Tshisekedi connaît le Congo et il est en train de bien naviguer, de bien nous amener quelque part. Mais vous allez écouter, Batu Bazako Lela, Bazako Loba, Djale Lezako Loba, Yenemo Konziye, tout ça. Cette conception-là, bien sûr, si c'était dans le sens, Nandenge Aba Pays Moussousou, Aba Pays Moussousou Africain, on Nenge Bazako organisé Mboka Nabango, et Lingake Zalamalam. Mais aujourd'hui, nous avons de la cacophonie au Parlement, nous avons la corruption, nous avons. Les anti-valeurs sont devenus des valeurs en République démocratique du Congo. Et tout ça au nez et aux yeux de nous tous. Parce que je ne peux pas m'exclure, on ne peut pas dire que non, c'est seulement la faute d'un Congolais. Non. C'est la faute de ce système dans lequel nous sommes. Et les gens qui arrivent, qui peuvent avoir le pouvoir de le changer, ne comprennent pas encore qu'il est grand temps. Et il est très très grand temps de changer les choses, de les changer dans la profondeur pour que cette mentalité change. On ne peut pas se réveiller un jour en disant que nous allons changer de mentalité. J'ai entendu quelqu'un à la télévision disant que non, la ville est sale parce que les gens ne sont pas éduqués. Moi, j'ai dit non, c'est pas comme ça. L'homme est toujours négatif. Vous pensez que les gens qui sont ici en Afrique, même si les villes sont propres, c'est parce que les gens sont indiqués? Non, c'est parce qu'il y a quelque chose, un gouvernement qui marche, qui vous dit que voici là où il faut faire.
Voici ce qu'il faut faire. L'éducation, c'est tous les jours et c'est par l'exemple. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, on va mettre les gens sans qu'ils foutent à bango. C'est ça le travail au fait. Nous avons un pays qui copie mal en disant que non, en France ça se fait. Je vis un avocat hier et j'étais sidéré. Qui parlait de la gestion de ce gouvernement, et si j'en parlerai dans la dernière partie lorsque nous parlons de comment est-ce que nous allons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Cet avocat se trompe dans la constitution, on ne sait pas. Mais l'application même de cette constitution-là, elle n'est pas catholique. On ne sait pas exactement ce que nous faisons. On ne sait pas exactement ce que nous faisons. C'est ainsi que moi je me dis, quand nous parlons de l'entourage de Félix Tshisekedi, qui l'induit en erreur, moi je pense que l'erreur vient de lui-même. Parce que si vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez avoir cette... Moi, je n'ai pas voulu que ça soit comme ça. Et je sais que toi, tu peux le faire ou toi, tu ne peux pas le faire. Et tout le monde pourra déjà maintenant adhérer à cette union-là, à cette idée-là que le président de la République a. Et il peut évaluer, il peut dire que non, ce type-là, il n'est pas en train de faire son travail normalement. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même le dit. Le président de la République, c'est le garant de la bon fonctionnement des institutions de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi, comme nous disons, est-il le garant vraiment? Fait-il des contrôles? S'assure-t-il que les institutions fonctionnent normalement? Ou il joue tout simplement un rôle de président? C'est ainsi que il a 1000 conseillers, il a beaucoup de conseillers, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, moi je pense qu'en lui-même, cette capacité de conduire une vision n'y est pas. Beaucoup de gens peuvent dire que non, je suis en train de l'attaquer. Oui, ce sont des faits que nous remarquons tous les jours. Nous constatons effectivement qu'en lui-même, le président de la République n'a pas cette capacité managériale, capacité morale, capacité visionnaire de conduire une vision du début jusqu'à la fin. Et cette vision-là devrait venir d'où? Devrait venir de là où il venait. Il a déjà un background d'appartenir à ce que nous appelons le parti d'opposition. Qu'est-ce que cette opposition-là, cette partie-là, s'est-il préparé pour gouverner? Est-ce qu'il s'était préparé? Non. C'est comme si on a pêché quelqu'un dans le lit de pêche qu'on a mis là-bas. Et que l'UDPS continue à applaudir un monsieur qui n'applique même pas le principe de l'UDPS. C'est ça justement cette réflexion que nous portons et nous disons que c'est là où que c'est ça qui manque au président de la République aujourd'hui. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça? Nababilo konyo sozali awa, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ici à Contact Pro Live, nous nous sommes dit la solution réside dans l'appropriation, comme disait Étienne Tshisekedi, le père de Félix, il disait que la solution de ce pays résidera tant que le peuple se prendra en charge. Mais nous devons maintenant avoir un visionnaire qui viendra catalyser cette force-là pour que les gens puissent se prendre en charge. Ça ne peut pas être un discours. On ne peut pas vous dire que prenez-vous en charge sans qu'on puisse vous le montrer. Sinon, ça sera du désordre. C'est ainsi qu'un parti politique comme l'UDPS devrait déjà se préparer. Comment est-ce qu'on va rétrocéder le pouvoir pour que le peuple, finalement, puisse se prendre en charge? Parce que se prendre en charge va diminuer ce genre de corruption. L'autoprise en charge va conduire à une administration saine parce que batou oyo bazako kambamboka bakozala pembeni na bato bazokamba. Donc les dirigeants seront plus près des dirigeants, des dirigés. Le peuple il sera plus près avec ce qui leur dirige. Aujourd'hui, si vous commettez un bavu à Kindu, on va dire que non, c'est Kinshasa qui va traiter ceci. C'est dans la structure où moi je pense que à Contact Pro Life, nous réfléchissons sur une solution globale de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi devrait en principe s'atteler en se disant qu'est-ce que je peux donner aux Congolais qui restera pour beaucoup d'années. Lorsque vous allez rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, c'est dès lors que vous aurez
à être grand. Ceux qui ont construit ce pays, l'Afrique du Sud, ça devient de l'histoire, mais il y a les structures continuent à rester. Et les hommes entrent dans ces structures-là et exercent ce qu'ils doivent exercer, et puis ils partent. Aujourd'hui, Ramaphosa est en ce deuxième mandat. On sait que peut-être il ne la terminera pas, parce que dans l'ANC, ils doivent faire, je crois, dans l'année prochaine ou après l'année prochaine, il y a une conférence politique où on va encore requalifier pour dire que non, bon, est-ce que Ramaphosa peut encore présider l'ANC? D'après l'histoire, nous voyons que beaucoup de ces présidents-là ne terminent pas leur deuxième mandat parce que, comme c'est le décalage au sein de parti, il y a une nomination. Ça, je vous l'expliquerai, bien sûr. Ça, c'était une parenthèse. Je vous l'expliquerai dans une émission spécialisée pour l'Afrique du Sud. Donc, nous devons construire des institutions et la structure de notre pays qui permettra à ce que le Congolais puisse connaître que non, oh, ezamboka, makambo tozo salawa, ezamakamboka, ezamakambo yangaite. Ce n'est pas question d'une personne ou quoi que ce soit, parce que les personnes passeront. C'est comme ça que nous disons. Et là, Félix Tshisekedi a dit que ça, c'est de rassembler d'abord. Réfléchir. Comment est-ce qu'ils peuvent appliquer une solution pour que le peuple puisse se prendre en charge? Malheureusement, nous avions constaté que au sein de l'IDPS, il y a beaucoup de crèmes qui se sont envolées. Batebele, au babande, qu'on réfléchir. Et beaucoup sont déçus de la marche de ce pays-là, de ce parti-là. Or, c'est le parti qui devrait être une source où il y a une des réflexions. J'en avais parlé aussi d'autres partis politiques ici en Afrique du Sud, lorsque nous faisions des meetings ou bien des causeries. Je disais, quel est le cadre, quelle est l'idéologie de votre parti? Qu'est-ce que vous ferez si aujourd'hui on vous donne le pouvoir? Dans le système actuel aujourd'hui, parce que tout le monde se bat à ce que ce système-là, ce système-là reste. Nous avions vu les gens combattre, ils disaient que non, la constitution d'aujourd'hui, elle est la meilleure des constitutions, mais aujourd'hui, ils se rétractent parce que les réalités leur font face. Pourquoi on n'applique pas cette constitution? Ce n'est pas en changeant cette constitution-là que les choses vont fleurir, non. C'est dans l'application des textes et la structure de l'État où les responsables sont déjà contrôlés par même des assemblées provinciaux, par même des assemblées locaux, où les gens peuvent dire que non, nous avons 50 000 $. Et ces 50 $, nous les gérons pour construire un pont, pour construire une route. Que cela ne soit pas centralisé comme ça se fait maintenant. Ici à Contact Pro Live, nous prenons pour une décentralisation qui nous amènera dans la chose où il faut absolument que nous soyons des fédéralistes. Et c'est cela qui est même écrit dans la Constitution. La Constitution d'aujourd'hui vous dit que nous devons aller décentraliser. Et là, nous nous sommes compliqués en proclamant des entités décentralisées qui ont des personnalités juridiques, mais on n'a pas prévu là-bas les provinces. Les provinces ne sont plus décentralisées. C'est pour cela qu'il y a une certaine cacophonie. On pense que les gens qui sont en province sont des représentants du chef de l'État. Ils ne sont pas responsables des provinces. Les provinces ne peuvent pas engager des dépenses de grandes envergures. Les provinces ne sont pas responsables de l'argent qu'ils récoltent, beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup trop de cacophonie. Voilà, nous disons, la première des choses que le Félix devait faire, c'est de convoquer une conférence que nous appelons ici les états des lieux de chaque territoire. Ces états des lieux de chaque territoire devraient mettre en exergue tous les problèmes, s'il vous plaît, qui se passent dans les territoires. Que les gens se rendent compte que non, dans le territoire où Mboka Otozali Awa, il y a des personnes qui vivent ici. Quelles sont les ressources de ces provinces-là? Quelles sont les ressources de ces territoires-là? Que les gens cadrent, que les gens soient conscients d'abord de ce qu'ils sont au niveau des territoires. Qu'on reconnaisse
qui est congolais et qui ne l'est pas. Voilà les questions qui devraient être tirées l'une après l'autre pour que nous puissions obtenir des solutions d'abord au niveau de la base. Et lorsque la base sera constituée, c'est cela qui sera la fondation d'une 4e République. Et à ce moment-là, on pourra maintenant bâtir une nouvelle démocratie, une nouvelle configuration du pays en disant, bon, ok, comme les provinces sont comme ça, voici comment est-ce que les gestions seront faites. C'est cette vision-là que nous voudrons que Félix Tshisekedi puisse s'incruster en lui. Et puis bon, en fait, c'est déjà trop tard. Ou les dirigeants qui veulent diriger le pays à se dire, la seule chose qui sauvera notre pays, c'est cette restitution du pouvoir au niveau de la base, en dehors de dire que non, la gestion du pays, la gestion quotidienne de la ville, ou bien de la région, ou bien du province, des provinces, ou du pays, soit effectivement contrôlée par le peuple. Que nous ne soyons plus des poltrons ou bien des gens téléguidés comme ça. Que Batouba Zala conscient à Koloba, que Mboka Oyo et Zamboka Yamoutouté. Bandeko. Nous avons commencé une série de réflexions de la rétrécesse pour vous expliquer encore une fois de plus comment la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pourra apaiser la calmie dans beaucoup de territoires où il y a conflit, il y a battu, il y a les conflits de terres, les conflits des tribus, intertribus, les gens ne s'entendent pas dans les tribus à cause des intérêts généraux parce qu'ils n'ont pas quelque chose en commun. En République démocratique du Congo, quelqu'un me disait que nous ne sommes pas frères. Nous n'avons jamais consolidé cette homogénéité pour que nous puissions gérer notre pays. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là en espérant que ceux qui ne sont pas encore abonnés vont s'abonner pour qu'ils puissent savoir comment nous allons terminer la guerre à l'Est. Comment nous pensons ici à Contact Pro Life, comment nous pouvons terminer la guerre à l'Est. Comment nous pouvons juguler toute cette mégestion. Comment est-ce que nous pouvons rendre la justice efficace? Parce que la justice sera exercée par des juges qui sont redevables au peuple congolais. Donc, abonnez-vous, laissez des commentaires, appelez-moi si vous avez une question. Et bientôt, là, je crois, nous allons reprendre ce que j'ai appelé à qui la faute tous les samedis, donc à partir de 13h. Et là, nous commençons au mois de juillet. Donc, dans les 15 jours qui vont suivre, nous sommes presque prêts où nous allons commencer encore et à même être en mesure à prendre vos appels et tout. Nous sommes en train de nous préparer. C'est cela le travail qui fait assez, qui nous fait rare sur les réseaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.